Ibeka gain. Ibeka miaou yamaria. Audi seven sugu be seka do mali kono. Ibeka miaou yamaria. Kobe do mali kono. Taka ou yamali en gain chuko taula. Hal ni lahara passeport de bagulu. Kobe do malla. Aye Ibeka. Auka nafulu de faranyonka. Auka tunga wari. Ode kera ou kalaye. Neve ka kuma chien de ka. Nete ka kuma ka ou deme. Nete ka kuma ka. Transition kele ou bien kou deme. Neve ka kuma ka chien de fond mali kola. Jalaki e au bedi. Au ni transition frale nyonka. Aw ye janfa kolon de si, mais aw ma fere. O de kama, aw binani hake in konobi, ni gele in bauka, maloya retala tuni, abe benya koro, kau jote koula. Wako bolo segina auma. Voilà, aye ge balon de chikola, a segina kana chawere kuna. Aw ere ya wire malu, ari ya aw yere blaya. Me, ne koni ba fawye droni. Go, ni fanga mi fle malikuna, ni ye tamashien doye. Ni ma ira la ko awi re bulu ke la ukalae aw be tegere fo du kun u be ka ka mau malo u be ka maliyo malo u be ka maliyo lebu u ma ko te maliyo ka tunga la nie jamana jika transition ni chen colonel ni ma ko tawla u ka saria ni de aw kama wa te wuli ayo wari mi boka ibe ka ke o wari ke ra ukalae iba bukum anga jido ni mi Par exemple, on peut s'inspirer de l'exemple du Maroc. À Ouarzazate, au Maroc, il y a un réseau de panneaux solaires qui a montré, c'est le plus grand réseau de panneaux. Et vous avez parlé de la justice. Il est parlé de la justice, mais malgré tout, lui, il a laissé la justice faire son travail. Donc, nous osons espérer que dans l'affaire. D'accord, on va suivre ce dossier de près. Donc demain, hein, l'ancien ministre de l'énergie, des mines et de l'eau, Seydou Lamine Traoré, sera entendu par les juges hein, de la Cour suprême. On va suivre ce dossier de près et revenir pour vous donner les informations. Et c'est la justice de faire son travail, je l'avais dit, le temps médiatique, hein, ou le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. Voilà. Et deuxième thème de l'émission, donc des binationaux refoulés ce week-end à l'aéroport international Modibo Keïta. Et selon les autorités de la transition, ils ne disposent pas des documents requis pour séjourner, pour entrer ou séjourner au Mali. Déjà, Mohamed Chérif Haïdara, c'est votre, c'est votre sujet. Hein. Donc, est-ce que vous avez eu écho de ça et... Ah oui, il y a un élément qui a joué. Je vais donner mon avis, mais c'est que c'est un sens. Il n'y a pas de problème. Vous pensez, hein, de, et puis on a vu aussi la réaction de l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui interpelle, monte au créneau et il interpelle pour justement demander aux autorités de ne pas fâcher hein, la diaspora. Alors, moi je voudrais commencer par Moussa Mara. Moussa Mara est l'un des politiciens, rares politiciens, qui n'a jamais effectué une visite dans un pays, dans une ville. Sans rencontrer la diaspora. Ouais. Il a toujours été rencontré les CSDR. Okay. La dernière visite en date, il l'a fait à Abidjan. Il a été au CSDR. Il rencontre la diaspora. Et donc, il a fait que ce qui est attendu de lui. Okay. Maintenant, en ce qui concerne la situation de refoulé de l'aéroport, nous avons été surpris de l'apprendre. Moi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Parce qu'en 2017, nous avons demandé à ce que le président Ibeka Alaïata permet aux Maliens établis à l'extérieur, à leur retour, qui ont une double nationalité, de prouver qu'ils sont Maliens et qu'on les laisse rentrer dans leur pays.
Ça peut être un cardinal, ça peut être un extrait de naissance, ça peut être une carte consulaire, ça peut être un passeport périmé, mais qui ne dépasse pas 5 ans. Donc cela a été obtenu. Les gens venaient, si vous vous embarquez d'un aéroport pour venir dans un pays, au comptoir, même on demande si vous avez un visa. Mais si vous montrez là-bas que vous êtes malien, si tu n'es pas malien, tu peux avoir un carte consulaire, un document malien, et ils prennent votre billet, vous donnent votre boarding pass, vous vous embarquez. Maintenant, quand vous arrivez dans votre propre pays, et qu'on dise que non, que vous avez un passeport malien, que vous avez un passeport étranger, français ou américain, il n'y a pas de visa. Il y a un problème. Maintenant... Voilà, ni n'est shérif, ni n'est Kounango Déni, ni n'est CSGM Djabouya Niemoye. Mais, c'est même pour cela, la méhalbi a fassa ou l'endo. Il y a eu une transition de là. On nous devait qu'à reconnu. Sinon, malien de l'ex-RT Paris, mime n'don, machete n'don. Antenne n'don bi, antenne n'don sini, à Kalabanchi de, à Nalame, mena de Kortike. Je suis sûr que l'État a une raison de le faire. Pour l'instant, nous attendons d'avoir qu'est-ce qui a justifié cette attitude. Parce qu'il y a plus de 100 personnes qui ont été refoulées. Il y a des personnes même qui sont venues pour mourir au Mali, hein, qui sont retournées. Il y a d'autres qui sont venus pour le 41 jours. Il y a d'autres. Donc, c'est, on ne comprend pas. Ceux qui sont venus pour mourir, ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui avait un cancer. Ah, ok. Hein? Il est venu pour mourir chez lui. Elle est venue pour mourir chez lui. Donc, nous ne comprenons pas. Ce qui ne nous comprend pas encore, surprenant pour nous, vous savez, Atayer, le Mali a été le premier pays à avoir un ministère de Maliens établi à l'extérieur plein. Et ça va surprendre notre spectateur. Seul le Mali au monde a un ministre de Maliens établi à l'extérieur. Il n'y a aucun pays au monde qui a un ministère équivalent. Si le ministre malien établi à l'extérieur voyage, il n'a pas d'interlocuteur dans un autre pays. Donc il a quoi? Il a le fêtier. Ok. Vous comprenez? Donc nous, si cette décision de gouvernement a été prise, on devrait nous informer pour dire que nous avons pris une décision pour des raisons X, Y. Désormais, il faut vous procurer un passeport malien pour venir. Okay. La carte Nina, elle n'est plus. Ton extrait de naissance ne peut pas permettre de rentrer. Mais on n'a pas été informé. Les gens nous appellent de l'aéroport. Donc, quand j'ai eu ce coup de fil, j'ai appelé pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore eu les informations qui nous permettent de prononcer sur de prononcer. Oui. Nous avons vu la sortie du ministre. Il a fait une sortie de 5 ou 7 minutes. Oui. Mais dans cette sortie, si vous avez bien écouté la sortie du ministre, c'est-à-dire il dit des choses, il se contredit lui-même. Et quand on nous dit d'aller prendre un passeport, et quelle est l'accessibilité de ces passeports? Ok. Hein? Nous nous sommes battus ici pour qu'on change la carte NINA à la carte d'identité biométrique. Elle a été faite. Mais vous savez, quand vous partez au ministère de l'Intérieur, il y a combien de pays aujourd'hui qui ont eu même leur propre carte qu'on a déjà changée. Donc, nous attendons la semaine prochaine pour avoir vraiment ce qui s'est passé. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre que la transition du Mali... Je parle de cette transition, oui. Que les membres de la diaspora puissent en souffrir. Okay. Attends, la transition a déplié. Je finis rapidement. Oui. Elle a déplié. Oui. Il y a le militaire, l'armée et la diaspora. Okay. Donc. Ok. Il va. Il y a un élément follow. Nina, avec un coup, Maouniena, il va qu'à escroquer à Douane. Il y a un coup là. Il va faut. Ka singelen de a sen flat be diaspora ka kan kono me hala singelen te e de koko e ke de maliyam mu singelen do mali koka na ma wole diaspora ke o luka representa e deja ite diaspora la ite vi diaspora la isi rote diaspora la e be mali de kono ala nana ke ni ka ke ki to